J'ai même pas lancé le record. Salut YouTube. J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle session de la stratégie de l'échec sur Teamfight Tactics. On va voir jusqu'où on peut aller, hein, comme d'habitude. Et aussi, est-ce qu'on va avoir des items cette fois, ou est-ce qu'on va avoir que du pognon et se sentir délaissé par le jeu. Et en fait, on est le 1er septembre, 12 jours avant Borderlands 3. D'ailleurs, j'ai fait un petit truc sur pour Borderlands pour préparer. Parce que sur le site officiel, vous avez tous les personnages, bien sûr, mais vous avez aussi leur arbre de compétences. Vous avez un calculateur de points. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez mettre déjà les points dans les arbres pour voir à quoi va ressembler votre build, quoi. Et en regardant les deux arbres entre Moz et Flak, parce que j'hésitais beaucoup entre les deux, honnêtement, au niveau des arbres, je préfère vraiment Flak, hein. Le robot nomade avec ses animaux. Parce que il a des dégâts, il a des potes. Ça fait du dégât, il y a de la régène, il y a plein de trucs. Ça a l'air vraiment drôle. Bon, du coup, voilà. Bon, on va prendre au pif. Alors, du son, ce serait bien, par contre. Un peu de son. Merci. Voilà, un peu de son, c'est quand même mieux. On va le mettre à fond. Alors, du coup, je vais même pas regarder s'il y a des gens qui étaient là ou quoi. Je vais même pas regarder. À mon avis, personne sera là. Alex, ça m'étonnerait, puisque de toute façon... c'était vendredi, il m'a posé un lapin pour No Man's Sky. Donc ça m'étonnerait qu'il soit là aujourd'hui. Bah, à voir, hein. À voir s'il y a Momo ou quoi, on verra. Oh, du pognon! Toujours plus de pognon! Alors, il y a des nouveaux items apparemment. J'ai entendu parler de ça. Mais est-ce que c'est sur le PBO ou est-ce que c'est sur le serveur officiel? Ça, c'est une autre question. Ah oui, ah ça y est, ça commence déjà. Alors moi je vois du néant. Ça a l'air super bien. Je vois du néant. On prend de tout, bien sûr, comme d'habitude. On va prendre ça et on va prendre Kha'Zix. Voilà, si je peux avoir du néant, ça pourrait être sympa. On va ranger. Alors je vais improviser, hein. Comme d'habitude, je vais improviser. On avait fait quoi la dernière fois? On n'avait pas bougé. On avait réussi à rester au même nombre de PL. On avait fait des top 5, des top 3. On avait démarré qu'un top 8. Parce que je pensais que ma strat avec Pirate Pistolero fonctionnerait encore. J'avais tort. J'ai l'impression qu'on n'entend rien. Ah non, c'est bon. J'ai le son à fond. Mais encore du pognon, mais nick. Pardon. Tout va très bien se passer. Je reste frais. Ah. Alors. J'ai deux métamorphes là. Et du coup, je peux avoir ça, plus ça, ça. Pas trop mal. Tristana, on n'en fera jamais quoi que ce soit. Démon rôdeur, maître des lames. Maître des lames, on peut en faire quelque chose par contre. Bon, j'ai mis n'importe comment, mais c'est les phases PVE, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est... Attendez. Est-ce que je suis sur le bon micro? Yes. Pas réveillé. Comme d'habitude. On a un GA. Intéressant. Ah, et c'est là qu'il me donne... C'est là qu'il me donne des Tristana. Non, mais sérieusement. Qu'est-ce que vous voulez faire comme compo avec ça? Je vais tout prendre, hein. Mais pas trop quoi faire avec ce que tu le jeu. Ninja assassin, on pourrait partir ninja. Ça peut être très... Il y a du ninja. Il y a du void. Des petits trucs. Ouais. C'est pas fameux pour l'instant, hein. Oh, fameux. Ah mais non, mais c'est vrai, je veux pas gagner. Oui, voilà, c'est bien. Parfait. Comme ça, ça sera premier dans le carrousel, même si je sais pas du tout ce que je veux. Pour l'instant, là, j'ai pas de compo. Hein. C'est incroyable. J'ai rien du tout. J'ai deux sauvages, deux métamorphes.
Je peux peut-être repartir bagarreur. Très fort bagarreur. Deuxième Kha'Zix, on a du... Ah, j'ai un troisième métamorphe, par contre. J'ai un troisième métamorphe. Bon. Ça, on abandonne. L'Extec, c'est intéressant. Troisième métamorphe, ça l'est encore plus. Le métamorphe, c'est quoi? 60% d'HP supplémentaire, ok. Je prends un niveau, je pose Élise. On a les trois métamorphes. Je sais pas du tout ce que je veux faire. Hein. J'ai de l'Extec, Extec, métamorphe, sauvage, son vent. Hein. C'est pas trop. Et j'ai un GA aussi, je sais pas du tout ce que je veux en faire. Est-ce que je voudrais avoir une Shojin peut-être? Encore. Shojin, ouais. Ah mais non, on va gagner. Ah quoique, ils ont du mal, hein. Non. Vraiment bien ce mode prolongation. Non mais c'est sérieux? Non mais c'est sérieux? What the fuck? Ah merde, il y avait un sauvage. Hop, Nida. Je pex ou pas? En vrai, je pense que les Void, ils vont passer à la trappe. Hein. Là, faut... à moins d'avoir une Rek'Sai, mais même avec Rek'Sai... Ou les ninjas, ils peuvent passer à la trappe. Avec, c'est... Pose Camille. Camille, elle est quoi? Elle est cac? Ouais. On va tenter un truc comme ça. On verra bien. On des niveaux 2, peut-être. Oh, je suis déjà niveau 5. Excel, hein. Oh là là. Ça a du mal. Mais c'est bien, comme ça on sera dans les premiers à pic. Et le cassada vite cette saison. Là. Par vrai, il n'y avait même pas d'item, mais les prolongations. Mais c'est très drôle quand même. Alors, le premier carrousel. Bah le deuxième du coup. Qu'est-ce que je voudrais? Pas du tout ce que je veux. Nida, c'est très bien. Pris Nida. Pourquoi j'ai pris Nida en fait? Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Je pensais au début à Volibear. Vu que bagarreur, mais j'ai pas vraiment de bagarreur. Ah si, j'ai Warwick en bagarreur. Ah ouais. Mais bon, là, Nida, elle passe niveau 2 avec de la vitesse d'attaque. C'est vrai que j'ai un démon aussi. Ah, j'aurais pu prendre Aatrox. Ah ouais, j'ai très mal joué, là. Très mal joué. Mon mauvais. Très très mal joué. Alors, on a Kassadin niveau 2. On a une Nida niveau 2. Ah mais le Kassadin, il me sert à rien, désolé. Hein. Rien. Je peux partir vers du sauvage. Kassadin, ça dégage, Kha'Zix. Hop. Voilà, des belles choses. Ah, il y a même... Ah, vie, ça m'intéresse. Le problème, c'est que je sais pas si je pourrais l'acheter. Ah oui, j'ai toujours pas mis mon item. Moi. Je vais mettre un GA sur Jay. Hop, hop. Oh merde. Oh, c'est pas vrai, le doigt a glissé. Doigt a glissé. Génial. Ah non. Du coup, il me faudra un quatrième sauvage. Oh. Et on a gagné pour le coup, hein. Pour gagner. On a gagné, hein. On a gagné. Après, je mettrai Harry. Pour le sauvage, à moins que je trouve mieux.
Mais je suis dégoûté, je voulais la vie. En plus, elle est bagarreur, bagarreur X-Tech, ça aurait été parfait. Je l'aurais mis à la place de Camille. Ça aurait fait deux synergies. Bon. Sinon, je revois la Camille. Hein. Voilà. Il me faudrait Evie, mais du coup, elle est repartie dans la boutique. Ça va pas du tout. Moi. Alors d'ailleurs, normalement, la semaine prochaine, bah du coup, le week-end prochain, on reviendra sur Solidary. Sauf imprévu, mais normalement, on y retourne. Oh, il y a Jace. Ah, il y a Jace. Qu'est-ce que je veux faire? Tac. 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 Parfait. Voilà, Jace niveau 2. Tellement bien. Oh, la hache. Ouais, mais la hache, elle rentre pas du tout dans ma compo. Faut voir. Bon, c'est la première game, hein, le temps de se réveiller. Ah! Pourquoi il veut pas y aller? Vas-y! Hein? Attendez, on peut avoir des items formés maintenant? What? Depuis quand? Depuis quand on peut avoir des items formés? What? On peut avoir des items formés maintenant. Pas de mal à le croire. Ah, il y a Voli. Voli, il est intéressant. Ça donne quoi ça? Des HP. Ouais. Voilà, on peut avoir des items formés quoi. Et ça casse tout. C'est-à-dire qu'imaginons quelqu'un ait de la moule et il ait 3 items formés. Ça brise tout. Allez, le Jace. Ah. Dragon. Hop, Volibear. Volibear. En fait, il me faudrait vie. Vie et ce serait incroyable. Ou Ellie slash Warwick. Faut des métamorphes. Mort, sauvage. Ah, et un sauvage aussi, j'avais oublié sauvage. Il est pas sauvage, Volibear, par hasard? Non. En vrai, ils auraient pu le mettre sauvage. Pas du tout. Dragon métamorphe. À la place de qui, du coup? Place d'Élise. Dragon métamorphe. Ouais. Eh bien, de toute façon, on va le virer. Ah, vie! Parfait. Et je mets ça à la place de Camille. Ouais, bien ça. Ok. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. Alors ça, c'est dégueulasse que... Pendant qu'il meurt, il y a toujours le tombi lol. Ça, c'est vraiment dégueulasse, je trouve. Mais c'est mon avis. Un petit blitzcrank. On refait la compo octogone. Oh la vache! Bah ouais. J'ai envie de prendre les deux, là. J'ai... Bah ouais. Attendez. Le Jinx... Jinx, ça pourrait envoyer... de bonnes bastos, en vrai. Ah, c'est pas mal du tout. Ouais, bon dégâts.
problème c'est le Aatrox. Ah non, ça passe. LOL. Ah, je peux avoir... Non. Ah. C'est mieux. Ah, mieux. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? J'ai dit quoi? J'ai une ceinture. On pourrait avoir une Warmog, peut-être. Warmog, il n'y a pas une autre ceinture? Il y en a une. Warmog... Ouais. On va essayer de choper une Warmog. Ah, c'est quoi, le feu? Ah non, les gens peuvent parler? Oh bah non. Ah merde. La Katarina. Pour la Warmog. Merci. Ah mais c'est bien, maintenant on peut mute comme ça. Trop drôle. Trop cool en vrai. Ok. Thanks. Oh le Rengar. Alors, j'ai une Warmog, je la mets sur qui? Sur Warwick, hein. Et sur Warwick. Ah, si je peux avoir le Rengar, on peut faire une 4 sauvage. Ah, pas mal du tout. Wouah, trop stylé. Alors ça, c'est quelqu'un qui a dû beaucoup jouer, pour le coup. Compo de l'infini. Tellement bien cette compo. Allez, on va prendre Rengar. Bon, par contre, ce qui serait bien, c'est quand même d'améliorer nos personnages parce que là, c'est un peu ridicule. C'est un petit peu ridicule, quoi. Je voulais pas faire ça. Merde. J'achète le plus d'XP possible. Il faut avancer vers le niveau 6. 7, pardon. Vers le niveau 7. On met le quatrième sauvage. Donc, Rengar. Et on voit ce qui se passe. Le bagarreur, je pense pas qu'on puisse y arriver, mais... Niveau 8, peut-être qu'on peut y arriver. Avec un peu de chance. Oh lol. Oh là là, c'est beau. C'est beau ce que je vois. C'est impeccable, hein. Il n'y a rien à dire, hein. C'est impeccable. Alors du coup, je sais pas du tout ce que je vais faire pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Si, en fait, je sais ce que je vais faire, mais je sais pas comment je vais organiser mon planning, quoi. On vendrait pas quelque chose. Jinx, est-ce qu'on la vendrait pas? Comme ça, je passe mon niveau, je place enfin mon Rengar. Allez. Voilà, et comme ça, tout le monde a le bonus sauvage. Donc, il donne de la vitesse d'attaque. Alors, sur mon... sur mon Jace, ça va être super bien. Maintenant, faut améliorer tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais trouver? Ouais. Alors déjà. Oula, oula. Personne ne se mettra en travers de ma route. Alors j'ai une lame. Ah, je peux faire un statique. Statique ou une Ginzu. Oh! Mais oui. Mais complètement. Bah ouais. Hop, à la place de. Elise. Revends la Elise. Oh là là, magnifique. Statique ou Ginzu? Statique ou Ginzu? Je pense que statique sera bien meilleur. Et de la paix, on va mettre ça sur soi. Faut vraiment trouver d'autres trucs. Hein. Là, j'ai un bagarreur, mais. Qui mes deux bagarreurs? Bah, c'est Jace et. Je peux échanger ni l'un ni l'autre, parce que sinon je perds mon X-Tech, soit le sauvage. Pas le choix.
En vrai, ça peut tenir, hein. Bah, ça tient complètement, même. Les dérouillés qu'on met. C'est beau. Oh, ce, ce truc de flamme. Trop bien. J'ai pas du tout regardé les mises à jour, hein. Pas du tout regardé. Au début, je restais au jus. Me mettais au jus, mais... Là, ces derniers temps, pas du tout. En même temps, il y avait tellement de jeux à faire. Oh ! Gnar ! Gnaru ! Mais à la place de qui ? Sauvage métamorphe. Sauvage métamorphe, donc 1, 2. Gnar peut-être là. Quoique, elle a des dégâts, lui aussi. Attends. Oui, oui. Oui, c'est bon, je suis. Oh, Ragnar. Oh, je sais pas qui je pourrais remplacer. Je sais pas qui je pourrais remplacer dans ma compo. Le sauvage, j'ai qui? J'ai Warwick, Nidha, Rengar. Warwick, Nidha, Rengar. Harry. Rengar, ce qui est bien, c'est qu'il est assassin. On va trouver des choses. Comme ça. Gnar niveau 2, ça va être bien. Sauf si je me trompe. On va voir. Si on perd là, c'est que je me suis gouré. Et comme il est en 2, normalement... Oh ouais. En plus, il a beaucoup plus de contrôle que Rengar. Même si bon, Rengar, il a beaucoup de dégâts. Compliqué. Alors, j'ai quoi? J'ai une grosse baguette. Qu'est-ce qui pourrait être bien pour le père Swain? Une grosse baguette... un rabadon. Rabadon, ça pourrait être très drôle. Oh, il y en a une en plus de grosse baguette. Il y a une grosse baguette. Mais comme on est premier, bah on choisit en dernier. Youpi. Allez, personne sur le chocho. Mais mon Cho'Gath, c'est prisé par tout le monde. Ou Karthus. Karthus est prisé par tout le monde aussi. Bon. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Non. Une grosse ceinture? J'en ai pas. Ah bah c'est... pas glope, hein. Bon, bah, on va lui mettre une larme. Une larme, allez. Merde! Bon bah ce sera un... ce sera une échelle ionique. Ça fera encore plus d'AOE. Alors du coup, qu'est-ce que j'en fais de mon Rengar? Qu'est-ce que je cherche? Bah j'ai tout le monde à niveau 2. En fait, c'est ce Rengar, je sais pas quoi en faire. À part l'ajouter sur le terrain plus tard... Oh, tous ces contrôles. Et le soin derrière. Aspire ta vie. Oh non, on a une excellente compo là pour le coup. Faudrait juste l'améliorer, si on peut. Ah y'a rien. Mais, en... mais pourquoi je cherche des choses? J'ai besoin de rien en vrai. Pourquoi je cherche des gens? J'ai juste à pexer et rajouter mon Rengar et puis. Ça devrait le faire. Yo. Ou rajouter un légendaire.
Un berceau légendaire, je sais pas moi, je sais pas ce qu'on pourrait trouver. Cartus. Oh là. Ah lui il est niveau 8 par exemple. Rigolo. Oh le niveau 8. Là. En fait ça sert vraiment à rien d'aller chercher des niveaux 3. Vaut mieux au moins avoir des niveaux 2. Pour être tranquille. On pex hein. Hein oh, 12 victoires d'affilée. On est bien hein. On est bien. Faut juste trouver. Bah si on peut avoir des items, autant. Ça pourrait être sympa d'avoir un item de dégâts pour Jace. Ou un item de vitesse. Ça pourrait être cool. Vitesse d'attaque. On va voir. Il pexer pour avoir. Pour avoir une place pour le Rengar ici. Là, on aura un assassin supplémentaire parce que Rengar, ça fait beaucoup de damage quand même. Ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, je sais pas qui. Par exemple, là, il y a un Brand. Je vois un Brand. Ça pourrait être très drôle. De toute façon, ça up tout le monde en vitesse d'attaque. Hein. Oh, une Ginzu! Oh, c'est parfait, ça! C'est parfait, la Ginzu! Ginzu! Parfait. Tac, tac. Okay. Bon. Et bah, si on a un troisième Rengar, on pourra le poser sur le terrain, il sera déjà niveau 2. Ce sera parfait. Allez! Oh, j'ai mal aux yeux. Poupoupouloupou. Il y a personne sur Discord pour une fois. D'habitude, il y a toujours du monde sur Discord. Alors, pas mon Discord personnel, hein, le serveur Discord, je parle Discord en général. Et là, il y a personne bizarrement. Trop drôle. Et c'est peut-être parce que justement, demain c'est la rentrée. Alors, voyons voir. Allez, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Oh le Kennen, non ! Kennard, t'abuses ! Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. J'ai perdu la win streak. La vérité guide mon épée. Oh, si je peux rajouter Kayle. Ce serait incroyable. Oh, Kayle, elle serait tellement bien dans la compo. Et en plus, on n'est pas loin du niveau 8. Il me reste combien de gold à avoir 34. Il me faut 12 gold. Donc deux manches et puis c'est réglé. Deux manches et je peux mettre Kayle. De toute façon Kayle elle attaque à distance. Ouais elle attaque à distance. Ah c'est dégueulasse qu'il puisse rajouter des items pendant le fight. Ça c'est dégueulasse. Allez hop. Hein ? Panthéon ? What ? Y'a Panthéon maintenant ? Attendez, qu'est-ce qu'il fait Panthéon ? Bondit dans les airs, devient impossible à cibler, ça va sur l'ennemi le plus éloigné, l'étourdissant pendant 2 secondes. Inflige à tous les ennemis son passage des dégâts magiques équivalent à 10% de leur PV max. Mais c'est très fort ! Très très fort ! Ok. Panthéon. Panthéon ne s'en mord. Ah, juste pour la science, j'ai envie de le tester. Oh là là, mais tous ces stuns là. Quelle horreur. Allez, hop. Aïe aïe aïe. Ah, c'est dommage. Panthéon ne s'en mord. Ah, il me faudrait beaucoup de gold. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Oh, il y a un deuxième Panthéon, là. Mais il y a des Shojin à foison. Qu'est-ce que c'est que ce dire? Un Zekier. Ah non, mais moi, je veux une Shojin. Bah ouais, mais ils vont tous les prendre. Il y a un Panthéon, quoi. Il a été rajouté quand, Panthéon? Panthéon Osama. Est-ce que je prends l'Orion?
Ça me fera plus de gold et j'aurai mon niveau 8. Et du coup, j'hésite, Panthéon ou Kayle? Parce que Panthéon, j'ai envie de le tester pour la science. Oh merde. Hop. Ne l'oubliez pas. C'est une ligne, hein. Ouais. Parfait. Mais Panthéon en plus. Ça se trouve, on va se faire pougner. Réponse tout de suite. Je sais pas du tout, hein. Je connais pas du tout Panthéon. Bah Panthéon aussi, je le connais en sur League of Legends, mais là-dessus. Bah ça a pas l'air fameux, hein. Ah si, ça passe. Oh, oh non. Oh non. J'aurais dû garder Kayle en fait. J'aurais dû complètement garder Kayle. Oh Yasuo. Oh. Yasuo, parce que il est sympa, hein, mais Yasuo, ce serait peut-être meilleur. Mettre Yasuo là. Je tente un truc. Là, c'est vraiment des tests. Ah, c'est une ombre. On va voir, il a quoi lui? Ah d'accord, c'est l'élémentaliste. L'élémentaliste sorcier. Démon. Oh, c'est bizarre. Swain, c'est quand tu veux. Je te déteste, Swain. Oh, j'ai perdu contre une ombre. Really? Bon, faut peut-être pas que je l'écarte autant, Yasuo. Que je le garde juste à côté de moi. Faudrait que je sois dans le top 4 pour être bien, mais en fait, Kayle ça aurait été super bien. Hein, au lieu de l'autre. Oh, Kindred. Kindred, ça nous permettrait de survivre. C'est peut-être ce qui nous manque. Oh! Hop. Je vais tenter un truc comme ça. Ah mais merde, j'ai pas bougé les gens. Non, on va peut-être mourir contre le dragon. En plus, il a un runan. Ah mais il est désactivé le runan. Allez. J'aurais pas dû faire ça en fait. Ah ouais. Ah ça passe. Alors runan, mais sur qui je vais mettre le runan? Ah bah sur Kindred. Ah, il m'en faudra une. Il m'en faudra encore une. C'est un pari risqué, hein, ce que je fais. Mais. Je le sens bien. Bon, on est dans le top 4. On est dans le top 4, c'est ce qui compte. Ça nous fait gagner des PL. Pas beaucoup, mais ça m'en fait gagner. Et pour une première game, c'est super. D'habitude, la première game, c'est la pire. Ah, c'est le premier. Ah. La Kindred. Impeccable. Attends, faudra la passer niveau 2. Oh là, mais le Swain niveau 2, mais ça change tellement de choses. Dommage. Il me faut juste une Kindred pour après être peinard. Après, à la limite, on peut pexer encore pour être niveau 9. Hein. Je crois que niveau 9, c'est le niveau max, non? C'est niveau 9 ou 10. Plus. Mais bon, on a une excellente compo, hein, mine de rien. En improvisant. J'ai complètement improvisé. Hein.
Je sais qu'il y en a plein qui recherchent exactement la compo parfaite. C'est normal, hein, vu que c'est un jeu de stratégie. Ouais, c'est qu'il y a beaucoup d'aléatoires. Ok, bah... Top 3. Alors... Une Kindred. Oh, Panthéon, Osama. Cartus. Ouais, mais Cartus, il aura jamais le temps de faire son truc. Il aura jamais le temps de faire son sort à faire. Oui, non, non. C'est... Vous savez, c'est le Kamehameha de Dragon Ball. Le Kamehameha qui dure 10 000 ans. Où une seule fois, il fait Kamehameha. Et ça part tout de suite. Sinon, il... Le suspense. Où on verrait presque les nuits en faisant... Alors... T'as gagné conclu ou pas? Oula! Merci Kindred! Kindred! Non! Mais c'est lui tout à l'heure qui m'a eu à 1 HP! Je le déteste. T'aurais pas une Kindred? Oh, une lame d'infini. Oh là là. Il y a un arc et une lame d'infini. Bah je vais prendre l'arc. Hein. Ouais. Ou la lame d'infini. Non, faut que je prenne la lame d'infini. Parce que si je peux faire des crits... Et puis c'est un item formé. Hein. Il faut que je trouve le perso à crit quoi. Alors voyons voir. Allez. 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 Le porteur gagne plus 200% de dégâts des coups critiques. Kindred. Hop. Ah, oh, allez. Ah, oh, ça joue à rien. Mais c'est Nastea, hein, le problème. Hein. Pour moi, c'est Nastea. Oh, le Panthéon. Ah oui, mais les items sont désactivés. En plus. Pas les items, les synergies. Je crois que j'avais perdu conclu en plus tout à l'heure. C'est chaud. Bon, elle est où ma Kindred? Sérieusement, elle est où? Ouais, ça devient ridicule. Hop. Ça devient vraiment ridicule. Bon, en tout cas, on est dans le top... Oh non, il est mort! Yes! Bah du coup, normalement, j'ai gagné. Parce que contre Ducky Duck, j'avais pas de soucis, normalement. Oh, la Poppy 3! Really, la Poppy 3? Bon, bah, j'ai parlé trop vite, voilà, j'aurais rien dû dire. Eh ben, c'est un top 2. Première game, un top 2, hein. Déjà, à partir du top 4, je m'en fichais. M'en fichais de la place qu'on aurait. Et là, top 2? Câble. Ah oui, du coup, la donne me donne un recap. Donc, pour ceux qui se demandent ce qu'est la donne, hein, c'est Overwolf. TF Tactics, Overwolf. Un petit truc à installer, ça va... Pour avoir les items en bas à gauche, savoir les combinaisons vu que je joue pas souvent. Avant je jouais souvent, mais là, avec tous les jeux qu'il y a, j'ai pas le temps. Donc en fait, du coup, il a gagné avec. Ah ouais. J'aurais pu aller chercher des niveaux 3. Ouais. J'aurais pu. Émote mystère. Comme trésor. Elle est... Ah, c'est ça, l'arène draconique. Ah ouais, elle est loin. Et ça, c'est l'arène de l'avocateur. Et bon, ça a l'air d'être assez long pour l'obtenir, donc ça va. 1500.
Hop. Alors le but. Vas-y, montre-moi le truc aléatoire. Ah oui, il y a les trucs Twitch Prime aussi, c'est vrai. Bon, on va ouvrir tout ça. Hein. C'est génial. Ok. Pas mal comme récompense. Waouh. Waouh. Je crois que je l'ai déjà celui-là. Waouh. Trop bien. Trop bien. Ah oui, c'est des skins verrouillés d'office. Waouh. Le Ezreal plus Fire, je l'avais jamais eu. C'est vrai, je l'avais jamais eu. Le Ezreal. En même temps, il coûte tellement cher. Normal. Allez, on y retourne. C'est parti, deuxième game. Donc du coup, pour l'instant, un top 2. Top 2. Du coup, ça fait gagner... J'ai pas vu combien de PL on a gagné. D'ailleurs, est-ce qu'ils ont fait un recap? Ou pas? Y'a pas de... Non, y'a pas encore de recap sur TFT. Je crois qu'ils en ajoutent un. Très bien. Bon, du coup, le planning, je le ferai ce soir. Je le ferai ce soir ou demain matin. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que les jeux à prioriser... A priori... Oui, prioriser. Priotiser. Prioriser. Bref, les jeux à mettre en... à faire absolument. Y a Control, qu'on a commencé hier, qui est excellent. J'en ai refait un peu ce matin. Parce que du coup, le concierge m'avait donné une autre mission secondaire, mais était là où on était, c'était pas loin. D'ailleurs, j'ai essayé de me balader pour voir s'il y avait un passage pour débloquer le reste de la map de maintenance, et j'ai pas trouvé. Je pense qu'il manque des pouvoirs ou des cartes d'accréditation, etc. J'ai aussi essayé de chercher des portes avec... le niveau d'accréditation 3. Et j'en ai trouvé qu'une. Y a quoi d'autre comme jeu? Y a No Man's Sky. J'allais dire Man of Sky. No Man's Sky. Y a Tezo, bien sûr. Ça fait déjà 3 jeux. Y a AC Unity avec Libellia, le mardi. D'ailleurs, mardi, on va sûrement finir la quête principale. Hein, et les dernières quêtes coop. Et du coup, on va... Je pense qu'on va sûrement commencer le DLC demain, en plus. Faut voir ce qu'il reste, faut voir si on a le temps de finir, mais j'étais à plus de la séquence 10, et comme il y en a 12, on n'est plus très loin, quoi. Donc ça fait quoi, 4 jeux? Je dis quoi, donc, dans l'ordre, ça ferait Control, AC Unity, Tezo, No Man's Sky. No Man's Sky, seul ou en coop, si Alex est présent cette fois. Et puis c'est tout. En attendant d'avoir du contenu, soit sur Remnant, soit sur d'autres jeux. Voilà. Et en attendant que les jeux de septembre sortent. Bien que... faudrait que je me renseigne sur les jeux Ubisoft. Parce que du coup, je me suis renseigné sur les jeux. Il y a Gears aussi, Gears 5. Mais bon, j'ai jamais fait la série Gears, donc c'est compliqué. J'ai jamais fait de Gears. Je sais que sur PC il y a Gears 4. Gears 4 notamment avec le Xbox Game Pass. Et côté Ubisoft, y a pas grand chose. Hein. Y a rien en fait ce mois-ci. Mais faudrait que je regarde pour le Uplay Plus. Du coup, je rappelle pour ceux qui sont inscrits juillet-août, vous avez un mois gratos de Uplay Plus qui est en gros l'abonnement qui vous permet d'accéder à tous les jeux de la bibliothèque Ubisoft, plus DLC. Gratuitement. Gratuitement. Faut même payer l'abonnement, quoi. Je sais plus à combien il sera d'ailleurs, je crois que c'est 15 balles. Je crois que c'est soit 15 balles, soit c'est 10 balles. Je sais plus combien c'est.
Une oblue en attendant. Bon, du coup, je sais pas. Parce que Ubisoft, il y a tellement de jeux chez Ubisoft. Moi, je regarde la liste de jeux parce que je crois qu'il y a quasiment 1000 jeux. Non, il y a une centaine de jeux pour le Uplay Plus. Pour la première, première lancée. Donc, du coup, pour le premier lancement. Ouais, j'aille regarder ça. Si, si je fais des jeux Ubisoft, parce que. C'est-à-dire que justement, si je fais un jeu Ubisoft, bon, je retire autre chose. Et. Bah, en fait, on va à la limite finir assez Unity la semaine qui arrive, quoi. Si je veux vraiment enchaîner avec un autre jeu. Wouah! Ok, j'ai un Kha'Zix. Alors, j'ai du Ninja Elementali. J'ai de l'Elementali, j'ai du Glacial. J'ai du Chevalier. Chevalier. Ça, je le vends. Tac, tac. Et ce qu'on attend ou pas? Yora, elle m'intéresse pas du tout. Darius, ça m'intéresse un peu plus. C'est bon. Faites voir. Faut aussi voir que JVG. Ah, c'est vrai. Oh, ça rentre ça aussi. Que du coup, vu que tout le monde normalement est censé revenir, bah, a priori maintenant, en ce moment, dont JVG, bah, je lui ai demandé s'il serait chaud pour bah, Borderlands Pre-Sequel du coup, ou Wolfenstein. Faudrait jouer avec lui, mais il faudrait déjà qu'il, qu'il revienne quoi. Qu'il revienne de là où il est, à savoir où il est. J'ai du chevalier, qu'est-ce qu'il pourrait être cool là, c'est pas fameux ce que j'ai, hein. Ninja, j'ai du maître des lames. Mon Ida, ça se casse. Ninja, maître des lames. Un genre. Joli. Ah mais non mais c'est vrai, je veux pas gagner. Je veux pas gagner. Et ben j'ai gagné. C'est vrai que je veux pas gagner moi au début. Ah mais j'ai des items, c'est vrai. Mais je sais pas ce que je veux en faire. Et pour l'instant, je sais pas vers quel compo je me dirige. J'ai aucune idée de la compo vers laquelle je vais. Encore. Sauvage bagarreur, ninja, maître des lames, pirate assassin. On peut avoir de l'assassin. Ouais, c'est vrai que ça pourrait me faire 3 assassins, je suis un peu idiot moi. Voilà. 3 assassins. Assassin, je crois que c'est revenu assez fort, hein. Non, y'a pas une histoire comme ça. Je sais ce qui rampe dans les ténèbres. Wouah, je sais pas du tout vers quoi je me dirige. C'est incroyable. Katarina? Ah bah d'accord. Bah ça va être de l'assassin, hein. Ça va être du fou l'assassin. Je sais ce qui rend. J'ai une Elise. Pas XP. Ouais, ouais, ouais. Ça va être du fou l'assassin. Hein. Déjà 4 assassins quoi. Ah j'aurais pu aller chercher l'impérial. Ah quel con. Je pourrais faire assassin impérial. Je voulais faire assassin ninja mais pas trop. Ah, par exemple. Ça, c'est un... Les yeux. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Alors. Il faudrait la Rek'Sai et on a du Void en plus. Ou une Katarina.
C'est vrai que j'ai plein d'items, faudrait que je les mette maintenant. Et là, ça devient ridicule. Qu'est-ce que j'ai dans l'œil? J'ai un cheveu, c'est quoi l'histoire? Non, la Rek'Sai. Bah du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Vega. Eh ben non. Eh ben on va prendre la Katarine. On va peut-être pouvoir la passer niveau 2 déjà. Ah oh, l'assassin, ça faisait longtemps. Hein. Et bon là avec ce qu'on me donne, j'ai pas trop de choix. Oh mais 4-5. Bon du coup, hop, 5. Mais il m'en manque plus qu'un en fait. Il m'en manque déjà plus qu'un. C'est nickel, hein. On va focus les assassins. Aïe aïe aïe. Oh la game assassin quoi. Oh les items. Brise-lame. Âme maudite. Brise-lame, ça peut être sympa, mais sur qui? Ah, ça va peut-être pas passer là. Ouais, parce que j'ai pas mis mes items. J'ai trop focus là-dessus et sur le planning. Alors, danseur fantôme. Danseur fantôme. Lame body. Ouais, mais c'est les attaques de base. Bientôt, on va pouvoir mettre le Rengar. Oh, mais les critiques! Alors, le problème, c'est que pour l'instant, j'arrive pas à les passer niveau 2. Ça, c'est un gros problème par contre. Ah, les golems! Ah, bah, du coup, on va pas prendre notre niveau tout de suite. Oh là, mais 150% et 25% de chance de coups critiques. Ah, y a des coups critiques maintenant? Oh là là! Oh là là! Hop. Pas d'assassin, dommage. Ah ouais, maintenant je focus tous les assassins. Ah oui, j'ai ça! Un petit red buff! Ah, mais si elle peut déclencher son pouvoir. On va voir les items. On va voir les items. Mais bon, là on est bien. Oh, y'a rien du tout. Tellement bien. C'était peut-être une connerie ce que je viens de faire. Oh, oh. Eh bah dis donc. Allez hop. Un GA. Un Iron Solar. Ah, l'Iron Solari, je dis pas non, hein. Oh, oh. C'est parti. Oh. Oh. L'Iron Sol... La Kinzu. Kinzu pour... Oui. Un ange gardien. Rengar. Ok. Bon, j'ai mes 6 assassins. Maintenant, faut voir ce qu'ils peuvent faire, quoi. Ah oui, c'est compliqué, hein. Ils ont un danseur fantôme, c'est anti-assassin, quoi. Mais bon, en même temps, là-bas, je voulais pas faire assassin. Hein. Alors. Et...
Ah, Evelyne. Le tout, c'est de passer au moins tout le monde niveau 2. C'est le minimum. Après, au niveau de la compo, je sais pas vers quoi on va se diriger. Pas du tout. Allez. En fait, faudrait que je décale de 1. Comme ça, ils prennent toute la ligne. Et limite, je mets un 7ème assassin. Ouais. Et ce serait use. Sauvage, démon, néant, impérial. Impérial, ça pourrait être intéressant. Imperium. Hop. Oh. Bah ouais. En même temps, j'ai que des bons éléments. Faut en profiter. J'ai eu tellement peur. Oh non! Ah, je sais pas. Ouais, bah tant pis. Tant pis, on improvisera. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Oh, il y a une Akali! Il y a une Akali! Ah, je suis toujours premier, hein. 98, j'ai perdu que 2 HP. À quel moment? Ah oui, c'était au tout début. Ah, il me faudra Akali. Akali. Comme ça, si j'en trouve une troisième... Ah, dommage. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher? On va aller chercher le pognon. Leona. Oh, j'ai couru. C'est bon. Hop. Rédemption. Oh, ça pourrait être sympa la rédemption. Hop. Y'a rien d'intéressant. Bon, t'es où nous sommes, hein? Nous sommes ce que nous surmontons. Oh, le Panthéon ici en plein milieu. Ça n'aura aucun sens, mais ce serait génial. Et lui, il a pas de compo, là? Qu'est-ce qu'il a comme compo? J'ai l'impression qu'il a zéro compo. Prendre Darius. Pour quand même l'impérial, peut-être. Quand même. On sait jamais. Des belles choses. Il y a des belles choses. Panthéon. Pff. Le problème de Panthéon, c'est qu'il est dragon. On va le rire. Evelyn est déjà niveau 2. Darius. En fait, il faudrait que j'op qui Rengar, Akali. Bah ouais. C'est les deux seuls qui me restent à monter. Encore lui? C'est pourquoi? Pourquoi encore lui? Pourquoi encore la même personne? Je croyais qu'ils avaient fait un... Je crois qu'ils avaient fait une mise à jour où justement il y avait moins de chances de tomber plusieurs fois contre la même personne. Là, ça fait quand même deux fois, quoi.
Bon, ça va deux fois quand même. Alors. Ouais. Ouais. Eh ben, rien du tout. Alors, je pourrais pexer, hein, comme d'hab, mais... Là, j'ai bien envie de les passer au moins niveau 2. Parce que de toute façon, je sais pas du tout qui je veux mettre derrière. Y'a personne que je voudrais mettre derrière. Pour l'instant. À part peut-être une Kayle, un truc dans le genre... Ah oui, assassin contre assassin, du coup. Oh, une Shojin! Oh! Oh, la Shojin pour Pike! Ah, oh, c'est magnifique. Allez, on pexe. Pourquoi j'ai pexé? J'en sais rien. Oh, la Shojin pour Pike! Yes! Mais bon, maintenant, on peut avoir des items formés sur les phases PVE. Oh, ça dégueulasse. Tout à l'heure, on a eu un Zephyr comme ça formé, et hop là. Alors, tiens une Shojin. Tiens une plaque forte. Une plaque forte, une plaque, vous savez, qui permet d'avoir un perso supplémentaire. Ah, niveau 7. Intéressant. Ouh. Ah, mais c'est lui. C'est lui avec sa Shyvana de Moore. Eh ben tiens, ta Shyvana de Moore. Mais c'est invincible, ça, c'est incroyable. Là, c'est vraiment les étoiles et ta lumière. Hein. J'aimerais au moins avoir tout le monde niveau 2, quoi. Faudrait un Rengar ou une Akali pour bien faire. Ce serait tellement bien. Et qu'est-ce que je voudrais avoir comme... Shogat, c'est rigolo. J'ai failli pexer. J'ai failli acheter de l'XP. Non. Et c'est le fail. Oula, niveau 6, ok. Mais là, tellement bien. Alors ça, c'est très con. Allez, hop. Oui, ça passe con. Ah oui, c'est tellement chiant, les team paquets pour Pike. Du coup, il peut pas passer à travers. Il a pas de place. C'est la tristesse absolue. Mais bon, on gagne quand même. Rengar, ouais... In. Là, t'as quelque chose qui pourrait être cool, parce que là... Est-ce que je pourrais chercher du sauvage, démon, du nez, de l'impérial? Ouais. Ah, quand même! Tu aurais dû fuir quand tu pouvais. Yes! Toute la team est niveau 2! Yes! Et allez, un nouveau carrousel. Ça se trouve, j'ai trouvé mon perso suivant dans le carrousel. Que là, en item, j'ai besoin d'absolument rien. Pour le coup. Que j'ai un peu de tout. J'ai la Ginzu Shojin sur Pike. J'ai une lame maudite sur... sur Kha'Zix. J'ai un GA sur Rengar. Et j'ai une Redemption sur Katarina. Oh, le Yasuo. Ah voilà ce qu'il me faut. Mais impossible que je l'ai. Il a un arc. C'est impossible. Mais ce serait le perso parfait pour ma compo. Et vraiment le perso parfait. Du coup je le mets en plein milieu à l'avant. Oh, la moule. La moule. Oui.
la moule. Ah. Oh, c'est génial. Oh, c'est trop bien. Et ben, on pex. Allez, hop. Je passe mon niveau et paf, lui, il est sur. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que cette game? Qu'est-ce que c'est que cette game? Mon fion est aligné avec les astres. C'est pas possible. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, je vais me moucher. En plus, il a un arc. C'est tellement bien. Il a un arc. Bon, du coup, il va charger super rapidement sa tornade. On va essayer de faire des niveaux 3. Je sais pas si ça sera faisable, mais on peut toujours essayer. Non, je pex encore, mais... Ça me servirait de pex, moi. Allez. Oh ! Dommage. Et là, du coup, on a quoi ? On a 150% des dégâts de coup critique. 25% de chance de coup de crit. On a exilé, on a ninja. C'est trop bien. Salut, JP Doka. Non. Non, je joue tout seul. Je suis platine 4. Hop. Ah, ça fait du bien d'avoir le nez débouché. En fait, il n'y a rien que je voudrais. Incroyable. Comment ça, il y a une semaine. Ah, c'est bien du coup. Ça fait une bonne montée. Ça dépend d'où t'es parti. T'es parti du fer ou si t'es parti du bronze. Fer. Ah, c'est pas mal. Alors. Une spatule. Un chevalier. Sinon, voilà. Donc voilà. Encore plus simple. Vex, hein. Il faudrait que je trouve une deuxième spatule dans le prochain carrousel. Comme ça, on pourrait rajouter un perso au pif. Genre une Kayle, si je trouve une Kayle, alors là. Ah, oh, t'es une bonne appréhension du jeu en commençant. Ok. Bon, après, le plus dur, hein, c'est les items. Et de connaître les items. Ah, ah, ça peut passer. Ah, peut-être pas. Dommage. Ah, c'était une ombre en plus. Oh, la loose. C'était une ombre. Mais dommage, hein. C'est pas loin. Bon, on en est où, du coup? Oh, oui, on est super bien. On a tellement d'avance. Pas de quoi trop s'inquiéter. Là, j'ai fait top 1 aux Anglaciers, Chevalier, Ninja, Rodeur. Ok, un perso pour les mentalistes. Après, tu pourras pas refaire à chaque fois la même compo, à part vraiment si t'as beaucoup de bol. Et chaque game devrait être différente, normalement. Du coup, c'est complètement random.
Ça soit au niveau des items, au niveau de ce que tu vas avoir en boutique, donc... Après, si t'arrives à avoir une compo incroyable, c'est génial. C'est que de l'impro. Oh, ici aussi, hein. Ici aussi. Rôle d'improviser. Merci. Manquait une auto. Incroyable. Parlez pas ces niveaux. On va vexer. On va essayer de trouver un perso et puis voilà. On va essayer de trouver une Kel, quelque chose. Une Kel, ce serait incroyable. Il pourrait être cool. Un Karthus. Ah ouais. Un petit Karthus. Un petit Karthus qu'on met juste là. Pendant qu'il y a tous les assassins. Pendant qu'il y a tous les assassins dessus. Il y a le Karthus qui fait son ult. Oh oui. Ah mais c'est encore le même. Non. Eh ben adieu. Alors j'avais dit quoi? Il me faudrait une spatule. Oh, une spatule et je pourrais rajouter deux persos. Oh, il y a Karthus aussi. Oh. Ah, il y a les deux trucs que je... Il y a plein d'items formés, c'est incroyable. Oh, j'ai cru qu'il allait prendre la spatule. Surtout qu'en plus, maintenant, on peut avoir des items formés sur les phases PVE. Pas drôle. J'avais pas du tout. Du coup, tu peux complètement exploser la game. Trop bien. Alors, j'ai des spatules. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Oh, Jinx! Mais oui! Hein? Ah oui, bah oui. Bah oui. Hop. Duplex. Regarde ce qu'il y a. Oh, faudrait rajouter une King Noël. Ou. Non, il me faut du légendaire. On va voir, on va voir ce que ça donne comme ça. Oh non, il veut pas grapper là. Oh le manque de bol. C'est lui qui me pose des problèmes. C'est le seul à me poser des problèmes. On pourrait rajouter une Jinx encore. Allez hop. En attendant d'avoir mieux. À moins que. Je les mette ici. Je les mette là. Je vais en mettre une là. Et elles vont bombarder de roquettes. Bon, après, on est dans le top 3. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on gagne des PL. Des PL, des LP. Pourquoi je dis PL à chaque fois? Et c'est parti! Ah, c'est Yvon en plus. Ah, bah super! Ah, bah d'accord. C'est la compo de Kiss. Oh, ils s'entretuent! Trop bien! Alors, faudrait que je trouve un perso qui soit extraordinaire. Ah bah sinon, je fais un extech. Rajoute ça. Comme ça, on a un extech. Il est au niveau 2. Ce serait incroyable, hein, mais ça m'étonne. Ah, une côte épineuse?
vraiment cru que ça allait pas passer. En Lakotep. Moi je mettrais bien ça sur SUO. Pas très drôle. Et j'ai pas de sous. J'ai pas de sous et j'ai rien qui serait... qui serait intéressant. Ouais. Ah mais à chaque fois ! Ah, il a bien placé son blitz, hein. Ah, c'est peut-être mon problème, hein. C'est vraiment le positionnement. Ça se trouve, ils vont s'entretuer, hein. Ce serait très drôle. Ouais, je trouve un meilleur perso. Tu pourrais avoir. Ou une Jinx niveau 2. La Jinx niveau 2. Nred, c'est bien. Faire un truc comme ça plutôt. Faut trouver une Jinx, faudrait trouver un Yasuo. L'un ou l'autre. Pour au moins les passer niveau 2. Ou des Jace. Même des Jace, c'est cool. Ils ont 4 et 2 HP, quoi. C'est l'agonie. C'est tout ou rien. Incroyable. Ah mais même là ça passe pas. Il a full noble hein, si j'ai pas de doute. Il a full noble. Derrière. Qu'importe où je la mets, ça ne change pas grand chose. Je veux vous voir. Ouais, c'est déjà mieux. Jace. Parce que du coup, il a fait quoi là? Ah, il bouge! Ah, d'accord, il bouge tout. Ah, ouais. Eh ben, hop. Allez. Normalement, il va grappler à Kayle. Ah, bah non. Merde. Ah mais non, mais de toute façon, à chaque fois, quoi qu'il arrive, il va grapper Jinx. Alors, qui a gagné entre deux? J'ai pas vu. Ok. Et Kayle. Kayle, ça peut être bien, mais il faut qu'elle arrive à charger son ulti. Il lui faut du temps. Chargement de la puissance. Ah, ça va pas du tout. La place de Jace. Et je la mets où? Et là. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. C'est qui tout double hein. Et ben ce sera encore un top 2. Que je trouve un truc incroyable, mais ça m'étonnerait.
Il fait n'importe quoi. Ah bah d'accord, il s'est jeté carrément la flaque. Super. Oh bah top 2 quand même. C'est ce qui compte. C'est le top 2. Voilà. Parfait. Il a toujours son truc. Ah, le son est fort. Bon bah deux top 2 d'affilée. Pour l'instant, c'est propre. Y a juste la fin que j'ai du mal. Y a juste la fin de la game que j'ai du mal. Mais sinon, bonne compo. Le problème, c'est que... ça venait peut-être du positionnement. Il avait beaucoup plus de contrôle aussi. Mais bon, deux top 2, ça me va. C'est parfait. Là, si on fait encore un top 2, on passe plate 3. Vu que c'est 34. 34. Bah, c'est plus de 30 et on est à 74. On est à plus de 70. Donc du coup, top 2 égale plate 3. Tiens, je reviens. Non, je reviens pas tout de suite. Parce que sinon, je vais louper le... voilà. Je vais louper le premier tirage. Bon, de toute façon, au pif, hein. Allez, hop. D'en faire au pif. Et encore de la thune. Alors. Pistolero. Déjà de Savage. Pas mal du tout. Alors que peut-être qu'on va repartir sur Sauvage. On a deux veines. Alors ça était drôle tout à l'heure parce que quand je me suis co au jeu, le launcher me disait comme quoi c'est pas possible parce que le serveur était hors ligne. J'étais en mode quoi? Alors qu'en fin de compte c'était juste ma co qui était... qui avait du mal. Bah qui avait du mal. C'est la box qui avait s'est arrêté tout seul. Voilà. Ça arrive. Imperium. Pas ce que je fais hein, pour l'instant. Les Tristana, on peut les virer, je pense. Ah, y a des choses, hein. Y a un Solari, y a un Morello. Y a des choses. Troisième sauvage, y a du bagarreur aussi. Vache bagarreur. Ah, ça me plaît bien tout ça.
Bien, ça c'est bien. Même la veine, je pourrais la virer en vrai. On va voir. Et là, un petit sauvage bagarreur. Encore. Comme la première game. Ça pourrait être bien. Ah ouais, on va perdre. Yes. Super. Ah oui. Hein. Si vous perdez dès le début, vous êtes premier au carrousel. Là, vous pouvez vous faire plaisir au niveau des objets. Et au niveau des persos. Mais qu'est-ce que c'est que cette sortie? Oh. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, moi? On pex, on fait quoi? Oh, on pex. Là, je rajoute ça, je vire ça, je rajoute. Tac, on fait un octogone et puis voilà. On fait l'octogone. Ah mais là y'a rien du tout. Pike à la limite. Et encore. Ah Star Wars, elle est super stylée. Rédemption, j'ai un red buff. J'ai un Morello. Morello mais sur qui? On va attendre le premier carrousel. Le deuxième du coup. On va attendre le carrousel. Je voulais pas gagner mais tant pis. Alors du coup j'ai vu qu'ils ont rajouté Panthéon. Panthéon, qu'on a vu là dans la game précédente. Vache. Pas si fou que ça en vrai. Pas si fou. Hein. Démon maître des lames. Ouais. Ouais du sauvage en vrai. Ah, de l'extech métamorphe, ça c'est intéressant par contre. Ça c'est intéressant. Allez hop, l'octogone. Quelqu'un a eu le même adversaire deux fois. Ah mais non, je voulais pas gagner. Non. Je voulais pas gagner. Tant pis. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Vite. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Je cherche du bagarreur. Bagarreur sauvage. La vie. Oh, la vie, elle est extech et bagarreur. Oh yes. Si je peux l'avoir. C'est bon. Ouais, tellement bien. Yes. Troisième bagarreur, il manque un sauvage. Pour avoir le bonus sauvage 4. Qui augmente la vitesse d'attaque de toute la team. Ah mais là j'ai vie quoi. Là, c'est parfait. Parfait comme tout. Hop. Deuxième vie. Ah, y'a Harry aussi. Ah oui, les items. Du Rabadon. Aaron Solari, j'ai du Morello. Red Bull, j'ai une rédemption. Rédemption, ça peut être sympa. Iron Solari. Ça va être long, hein. Heureusement qu'il y a les prolongations maintenant. La bataille des Warwick. Et pas. Focus.
sait. Ah, il y a une autre vie. Alors du coup, Iron Solari, non. Deux Iron Solari. On va mettre la baguette sur... Solari... Ah non, dans... Oui, de 12 hexagones sur sa gauche. Pas du tout que je pensais. Alors, faudrait que je rajoute Jace derrière. Métamore. Sauvage ou bagarreur. Bah là, il y a un bagarreur. Yes. Lightstick, ouais, c'est cool, mais... Pourquoi il est pas resté dans le Morello dans la rédemption. Ah. On va prendre la vie niveau 2. Bagarreur. Nouveau un bagarreur. Excellent pour nous. Bon, 3 bagarreurs, des sauvages aussi, ce serait... En fait, Jay, je vais peut-être le virer. Hein. Jace, il est quand même Extech Métamorph, donc du coup on a l'Extech. Mais il me manque encore un Métamorph derrière. Il dit ça aurait pu être sympa du coup. Ah, c'est bien, ils échangent. Waouh. Oui, hein. Et là, il nous donne du pognon. C'est indécent. Du pognon. Bibir. Oh, Elise. Ouais, mais je préfère Shiva. Donc du coup, là, on a des métamorphes. On n'a pas de sauvage. En vrai, là, ça aurait été un sauvage qui aurait été excellent. Vite. Oups. Et certes, il est bagarreur, mais... Et une métamorphe, est-ce que vraiment je vais foutre une métamorphe? Bon. Toujours mon Iron Solari, je sais même pas ce que je vois. Moi je pourrais en faire deux. En faire un sur, sur vie et puis. Et la grosse baguette à Blitz. Maintenant on va la vendre. Prends un niveau. Place Volibear. Et j'ai mes 4 bagarreurs. Alors je peux en avoir 6. 6 ça donne quoi? 900 HP supplémentaires. Ah oui, quand même. Pas mal. Attends, il me faut un sauvage. Sauvage. Il me faudrait Gnar ou Rengar. L'un ou l'autre. Cette histoire. Ah mais même quand il est grappé, il continue de tourner. La loose. C'est la loose cette histoire. C'est n'importe quoi. Alors. Bah, Harry est déjà niveau 2. En fait, il me faudrait un Volibear. Volibear ou Rengar, ça serait cool. Volibear ou Rengar. Et les deux. Ah bah alors là. 3 et 5. J'aurais pas assez. Tant pis. J'aurais pu vendre. Ah, j'aurais pu vendre un Jace. Tant pis. Pas rassurant.
Bon, ça changera pas grand chose. Le shield est pas mal au début, hein. Pas mal du tout, hein, même s'il dure 6 secondes. Pas mal du tout. Alors aujourd'hui on joue jusqu'à 13h, hein. Je le dis, hein. On va jouer que jusqu'à 13h. Moi j'ai des choses à faire. Bien. Ah, il faudrait le Gnar. Et bien. Rengar. En fait le Rengar, je sais pas trop. Rengar. Parce que Harry elle est forte. Imaginons, j'ai. Est-ce que Rengar c'est pas plus fort qu'Harry en fait? C'est ça que je me demande. Le truc c'est que Rengar et Gnar c'est deux cacs, alors que Harry bah c'est un distance quoi. Du coup c'est kiff kiff. Sinon à la place de Nida, de toute façon on peut pas avoir autre chose. Gnar là. On va voir. Bon, c'est déjà bien meilleur. Attendez, il me manque un Gnar. Ah mais non, je l'ai pas eu dans la boute. Je l'ai pas eu dans le carrousel. Des waouh, mais il m'en manque un. Alors pas du tout en fait. Pex. Là maintenant, soit on a un personnage, soit on pex. Ah mais on a un personnage. Hop. Ah. Jace, je pense qu'on va l'abandonner. Hein. Désolé, mais on t'abandonne. Que là. Pas très utile. Et oui, mais Blitzcrank, il faudrait que je le passe. Bien ça. Oh. Tellement bien. Parfait hein, ce qui se passe. Ok. Allez, des items. Qu'est-ce qu'on pourra avoir, tiens? Un rabadon. Alors une grosse baguette. Pourquoi pas faire une shojin? Shojin, on va voir ce qu'on obtient. Mais bon, on n'est pas trop mal, hein, on est toujours premier pour l'instant. Et le problème, comme je vous l'ai dit, c'est la fin de partie que j'arrive pas à gérer. C'est vraiment la fin de partie. Ok, là-dedans. Qu'un seul item ? Alors là, je dois avouer que je suis un peu deg, mais... Bon, au moins, j'ai mes 4 sauvages. Moi j'ai mes 4 sauts. Une étincelle ionique ou un chute. Ah le chute. Chute ou étincelle ionique. Ouais, oh, étincelle ionique. Au moins ça fait de la OE. Allez, faudrait que je trouve un Blitzcrank, faudrait que je trouve du Gnar, du Rengar. Faut que je passe tout le monde niveau 2 quoi.
Allez, ça balance des patates, voilà, ça met des patates. Parfait. Eh ben, ça passe super bien. Ça passe super bien pour l'instant. Y'a rien à dire. Comme quoi, j'ai l'impression d'avoir bien compris le jeu maintenant. C'est-à-dire que, à la base, pour monter platine, j'avais utilisé que la technique du pirate pistolero. Et... bah, ça avait marché. Et maintenant, comme ça marche plus, bah du coup, j'ai passé du temps à comprendre tout le jeu. Et bah j'ai passé du temps. Je me suis dit, tiens, on improvise. En fait, ça passe super bien d'improviser. Bon, du coup... voilà. Alors, soit j'ai bien maîtrisé le jeu, soit j'ai un bon instinct de survie. Soit j'ai un bon instinct de survie. Je pense que c'est plutôt l'instinct de survie. Hein. Allez, il me faudrait un Gnar, un Blitz. Il faut passer au moins tout mon niveau 2. Pour être tranquille. Ah, il a un chute. Ouais, il a un chute. Quoi ce bruit? Pas d'où ça venait ce bruit. Allez, du pognon, du pognon. Rengar. Ah, ah bah voilà. Parfait tout ça. Nickel. Oh. Alléluia. Allez, plus que un Gnar. Il me faut un Gnar. Maintenant. Un Gnar et la partie devient incroyable. Pour l'instant, ça sent bon, hein, pour l'instant. Mais bon, la partie est pas finie, on sait pas ce qui peut arriver. Par exemple, là, il y a une Jinx, j'ai peur. Par exemple, là, j'ai très très peur. Que Jinx, 3 items, ça peut arracher. Hein. Ah non, c'est bon, en fait. Ça fait peur, quand même. Hein. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Un Extech. Par exemple, Jace. Pour plus tard, pour le niveau 8, du coup. En fait, maintenant, il faudrait soit Pex, soit Roll. Soit Pex, soit Roll. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, y'a... oh, y'a un Gnar! Oh, il me faut le Gnar! Gnaru! Gnar! Il faut le Gnar. 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 Connard. qu'est-ce que je pourrais aller chercher? C'est quoi, j'ai une baguette trop grosse? Écho de Luden. Enfin, un écho de Luden, j'aurais pu faire un... une Ginzu. Mais ça sert à rien sur Blitune. Tant pis. Oh, je pourrais faire Séraphin. Ah mais non, mais... oh mais quel idiot. J'avais quoi? J'avais un arc. Oh, j'aurais pu faire un statique. Bah on va attendre. Alors. Qu'est-ce que... ah oui, un Gnar. Je cherche un Gnar depuis tout à l'heure. En fait, il me manque juste un Gnar pour le passer niveau 2 pour qu'il... bah pour qu'il tanque quoi. Encore une Jinx. Ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est pistolero. Pistolero un petit peu noble. Une idée. Bon, en tout cas, ils l'ont bien amélioré, Rito. Hein. C'est du bon boulot. Hein. Rien à dire, c'est du bon boulot. C'est du bon boulot, hein. Jinx. Ah ouais, Jinx. Ah. Ah. Là, ça se discute, hein. Jinx, ouais, ouais, ouais. Jinx a rajouté en plus, ça peut être stylé, hein.
C'est-à-dire qu'on décale, Gnar de 1 ou on le met à l'avant. On fait des trucs, quoi. Oula! Hein? What? Il est mort en plein vol? What? J'ai pas rêvé, hein, il est mort en plein vol, le Gnar. Quel enfer. Quel enfer. C'est qui m'a mis ça? Glou Glou Boy. Ok. Pas mal. Bravo. Bon, je disais quoi donc? Ouais, on pourrait déplacer ça là ou là. Plutôt là. Et on met la Harry ici. Mais la Jinx ici. Oula. Ouais, je vais vérifier un truc. Ah, c'est bien ça. Ça bloque. J'ai une Shojin. Oh! J'ai une Shojin. Ah, la Shojin pour Blitz. Bah ouais. La Shojin pour Blitz. Mais oui. Ah, ça va être tellement bien. Ah, on a perdu de l'HP hein, quand même. Tu vois sa compo? Ouais. Ah oui, c'est le Aatrox 3 items quoi. Ah d'accord, non, il est démon en fait. C'est surtout ça le problème. Il y a du démon. Oui. Oui, oui. Ah non, tout le monde est paqué. Oh. Non, ça devrait passer. Ça passe normalement. Par contre, contre la vraie personne, je sais pas si ça passerait. Que contre les ombres, si j'ai pas de bêtises, les buffs sont désactivés. Les synergies et tout sont désactivés. Ok. Je ferais pas ça plutôt. Ouais. Comme ça. J'essaye un truc. Et comme ça, on a. Et le Volibear, il devrait taper sur. Lorsque Grappe Blitz. Ah bah voilà, Glou Glou Boy, comme ça, c'est parfait. C'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Et là, c'est horrible parce que je passe de victoire à défaite. Bon, du coup, j'arrive pas à faire du pognon. Ok. Je vais caler ça là. Ça. Ça même. Ah, ça prend les deux. Hein. Je vais me faire un truc comme ça. Ou comme ça plutôt. Comme ça les deux distances, tous les cacs, plus l'assassin. Ouais. On va essayer de trouver une Shojin pour notre petit Rengaro. On va essayer comme ça. Ouais, il est niveau 9. Wouah, niveau 9 quoi. Ah, ça rigole zéro. Oh la Jinx. Elle fait zéro dégâts la Jinx. Oh, elle fait zéro dégâts. Eh, c'est pas si mal hein, Panthéon. Hein. En fait, ça fait des dégâts sur tout le monde, c'est ça? J'ai bien compris. Oh, métamorphe. Qu'est-ce que je cherchais, moi? Une BF. J'ai une BF à la place.
Pardon. À la fin de partie, elle va être très dure. Ah sinon, ouais, il y a Brand. Brand, c'est pas mal aussi. Il est démon... Ouais. Démon élémentaliste. Ouais, non. Ça... Et... trouvons des choses, trouvons des choses. Hop. Faudrait une Jinx pour la passer niveau 2. Qu'est-ce que c'est que ça, Yordle? Yordle élémentaliste. Quel enfer. Oh, j'ai pris si cher. Oh non, pas le top 5. Oh non. Oh non, pas le top 5. C'est pas le moment pour un top 5. En fait, faudrait que je fasse. Mettre ça là, ça changera rien. Oh non, lui, il me détruit à chaque fois, lui. En plus, il a soigné maintenant. C'est le bordel. C'est la fin. C'est la fin. Ah, je suis arrivé top 5, c'est ça? Quatrième! On gagne des PL! Yes! C'est bon, on gagne 7 PL! Ah mais, moi je suis où? Je suis là? Pas du tout. Donc 2 top 2 et 1 top 4. Ah c'est chaud quand même! Là, j'ai eu beaucoup de mal à me décider au début. Vraiment beaucoup de mal. Si je reprenais ma taupe, Kawaii, là. Ou ma taupe. Bon, je vais garder mon hunter, finalement. C'est vrai que j'aimerais tellement avoir le hunter noir niveau 3. Le dark. Dark quoi. Nage auteur de la rose. Ah et du coup, c'est quoi les nouveaux trucs? Il y a Goopix, il y a un genre de Goopix. Donc on a vu juste avant. Il y a le nage auteur, il y a encore un autre truc. Je sais plus ce que c'est. Il y a encore un autre truc. Bon, allez. L'avant-dernière, ou peut-être la dernière game, selon le temps que ça dure. En fait, j'ai pas regardé combien de temps ça durait, mais on a fait 3 games en 2 heures. Donc on a sûrement fait un 2 x 45 minutes plus une fois 30 minutes. Ouais. Ouais, ça doit être ça. Et du coup, si vous arrivez dans le top 2, top 2 ou top 3, vous êtes à 45 minutes de game. C'est très très long quand même, hein. Mais ça, c'est dû aussi au fait que ils ont réduit les dégâts que prennent vos héros. Votre petite légende prend beaucoup moins de dégâts. Bah, beaucoup moins. Si, si, quand même moins. Du coup, c'est pour ça que ça dure plus longtemps. Avant, c'était vraiment une demi-heure, je crois, la game. Quoi qu'il arrive, c'était une demi-heure. Une demi-heure pour le top 1. Donc, c'était cool. Au moins, les games duraient pas trop longtemps non plus, quoi. C'était comme une game de LoL qui est assez rapide, quoi. Ça peut être 20-30 minutes.
C'est pas mal comme moyenne. Maintenant, bah, c'est du 45 minutes si vous les avez jusqu'au bout. Ouais. Mais ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on voit pas le temps filer. Donc du coup, vous avez ça au travail, vous faites une petite game pendant la pause déj. Quoique, vous avez le droit au boulot. Ça dépend du boulot, hein. D'ailleurs, faut que je trouve du travail, moi, ce mois-ci. Ce serait bien que j'en trouve. Pour jumeler avec le stream, ce serait cool. Boulot qui soit bien au niveau horaire, ce serait... Même si bon, on reste que ce qu'il y a et puis c'est tout. Hein. Voilà. On a un boulot. Puis les heures, le stream s'adaptera au boulot. Quoi. Donc si je suis obligé de stream le soir, bah je streamerai le soir. Puis c'est tout. Même si bon, le soir en général je suis capoute, alors. Je suis complètement claqué. Et après, il faudra aussi que je trouve un moment pour upload les VOD YouTube. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, on n'en est pas là. Pour l'instant, c'est du TFT. Hop. Donc du coup, le planning, ouais. Mon planning, ce sera sûrement... Voilà, vous avez le planning au-dessous du stream, mais bon, comme c'est le planning de cette semaine, j'arrête aujourd'hui. Donc du coup, ce serait demain contrôle. Je pense qu'on aura, on ira assez loin quand même en 4 heures. Le jeu est super fun. Super cool. Super bizarre et moi ça me plaît. Mardi, bah c'est Unity avec Ibelia. On va sûrement finir la campagne principale, faire les dernières missions coop et s'il nous reste du temps, bah commencer le DLC de Dead Kings. Oh, c'est pas fameux. Hein. Pourquoi j'ai que 4 gold? Ah oui, parce que j'ai pas eu de thunes. Donc du coup, tac, tac, et deux chevaliers. Ouais. J'ai un statique. Déjà un statique. Combien on peut avoir d'items en tout? 3, 5, 6, 9, 10. 3, 6. Ok, on peut avoir que 10 items sur le banc. Marrant. Veigar! On a déjà Veigar! Wow! On a déjà Veigar. On a un Mordeux. Un deuxième Mordeux. Je suis tellement habitué à avoir de l'argent au début de game que là... Si je fais un top 8, je perdrai tous mes PL. Ce serait terrible. On pourrait faire une team de sorciers. Hein. Quoi? Alors. Faire une team sorcier. J'ai envie de remplacer ça par de l'extech. Faire ça. Ça. Et regarde ce qui se passe. Du coup, lui aussi, les sorciers. Sorcier, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est les pouvoirs. On va voir. On va voir ce qu'on fait. Ah, il est déjà passé niveau 4, lui. Il est inutile. Il est pas très utile là pour le coup. Hein.
Il faut de la vitesse d'attaque, il faut des choses, quoi. Là, c'est ridicule. Là, on a 3 sorciers. 3 sorciers. Et j'ai un gros Mordekaiser. Vex. Et je mets mort 2. Ouais. C'est vraiment pas simple. Hein. Pour l'instant, c'est vraiment pas simple. J'arrive pas à me fixer une compo. Maître d'armes ? Oh, ça c'était bien dégueulasse par contre. Oh, quel enfer. Hop. Alors, du coup, si on mettait des choses sur le dégât, Tati. Code Luden. Un école Luden, il me reste un danseur fantôme. En fait, il lui faut de la vie. Attaque, hein. Une Ginzu. Et un cœur gelé. Et... On va attendre la Ginzu pour voir. Ginzu, ça pourrait être très drôle. Ça augmente la vitesse d'attaque. Ah, ça peut être très très drôle. Alors, les sorciers, le problème c'est que les sorciers, je les connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Les sorciers, je les connais pas du tout. Sorcier sauvage. Je peut-être. Pas du tout ce que je veux. Bagarreur, Blitz. Blitzcrank. Ah mais TF ! TF il est sorcier non ? Ah ! On aurait pu aller voir le TF. Bon bah tant pis. Surtout fait la quête secondaire. Quoi ? J'ai débloqué un pouvoir. Ah, les gars. Alors, je savais pas que TFT avait un scénar, mais. D'accord. Ça m'étonnerait que TFT ait un scénar. Oh, la Ginzu! La Ginzu! Sort. Trop bien. Faudrait que je trouve un autre dégât. À moins que t'aies beaucoup de retard sur le stream. Hein. Ça peut arriver, mais quand même. Je suis trompé de stream. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Parce que là... c'est hier un contrôle. Dex. Ça donne. Désolé. Y'a pas de soucis. Hein. En deux pour le même. Brise lame ou chute ? Allez, brise lame. Oh, je l'ai one shot. Allez, le Végar. Le Végar, le Végar. Oh, ça fait très drôle. Allez. Non ! Bof. Le Végar.
J'en ferai demain du contrôle. Et paf! Oh la petite crotte. Petite crotte. Piou! Alors on va mettre ça là, on va mettre Cassandra là-bas. On va mettre tout là-bas. Blitz. Alors. Qu'est-ce que je pourrais obtenir? Wouah! Néon bagarreur, ouais. Bah oui, ça va être cool. Ouais, c'est que l'extech. Un peu de l'extech maintenant. Ah ouais. Ouais, ça on s'en fiche. Ah, du coup, Lucifer. Il va avoir du mal, hein. Ah non. Allez, Sabourine, Sabourine, Sabourine. Rédemption. Ils comprendront le vrai sens du mot déchu. Y a trop de trucs. Y a trop de choses. Est-ce que je mettrais pas Morgana... Non, pas Morgana. Quatre, cinq. Les cinq sorciers. Pas assez. Le gars, je pourrais le caler quelque part, ce jeu. Je pourrais le caler là. Allez, Veigar. Ah mais le Veigar, il est que niveau 1, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. En fait, faudrait que je vire Mordekaiser. Ah, quoique Karthus, il est fantôme sorcier, normalement. Fantôme sorcier. Ouh, on va le faire. Ah, du coup, qui je vais rajouter? Gat. Gat, ce serait bien, mais... Je rajoute tout de suite. On va attendre. On va attendre. Il faudrait que je trouve un Veigar, une Ahri. Il faut des trucs. Le jeu, il me faudrait des choses, là. Dans la boutique. C'est foutu. Yes. Il est même pas niveau 2. Faudrait qu'il passe niveau 2. Alors Morgana. Morgana, Shogat. Shogat, ça pourrait être plus sympa. Ah, et en plus, ça me bagarreur. Ah. Bagarreur. Je sais même pas si ça servira à grand chose d'avoir. D'avoir 6 sorciers. Dommage. En fait, faudrait que je lui mette une Shojin au Veigar. Et il serait invincible. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben, c'est pas fameux. Oh, le Veigar! Le petit Veigar. Petit Veigar qu'on aime. Il passe enfin niveau 2.
Parfait. Ça peut être sympa. Donner des buffs, ça peut. Ah, ça peut être bien. Paris. Ouais, je sais pas trop. Dégâts. Cette game est horrible. Cette game est horrible. Je trouve un arc pour Vega. Pas tranquille. Et là, la compo, c'est vraiment du bricolage. Hein, pour l'instant. Aïe. Je recommande d'y aller en sautillant. Même c'est. En fait, le problème, c'est qu'il. Énergie. Pour avoir néant, ça me remet très bien. Le Kha'Zix ou autre. Ah. On va avec ça. Un bagarreur de plus. Oh, j'ai cru qu'on avait pas passé les loups. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un GA. Un Aeron Solari. Une Cotep. C'est pas fameux, hein. Sauvage Assass. Ex. GA. Oh là là, maudite. Allez, Veillard, prouve que tu existes. Yes. Ah, j'ai que 7 gold. Est-ce que je vends un truc, je passerai que ça et on repart. Faire ça. Et hop, les 3 démons. Est-ce que je laisse comme ça ou pas? Ouais. Comme ça pour l'instant.
Bon, j'ai du Void. Ça devrait aider un peu. Comme ça, ils vont faire des dégâts bruts. Oh, mais Vega. Tellement du bien, ce Vega. Vega niveau 2. Il ne sert à rien pour le coup. Ouais, je trouve des Cho'Gath, des Rek'Sai et on serait pas trop mal. Et aussi je trouve Karthus. Karthus, je remplace Morgana par Karthus. Et on a du coup sorcier et fantôme. On peut se faire plaisir. Il est mort le Vega ? Ah non. La bonne boulette. Alors, il y a un Karthus. Dommage. Ah, il y a Cho'Gath. Cho'Gath, c'est bien. Et j'ai Côte de Maille. Je peux faire un deuxième brise-lame si je veux. Ça va être intéressant. Eh ben non. C'est un non. Eh ben du coup, on prendra un arc. Hop. Et comme il est sorcier, on va pas le revendre. Et on va mettre sur le terrain à la place de Morgana. On aura beaucoup plus de damage. Bien ça, hein. Oui, il est sorcier. Tac. Ça, on le garde. Et un danseur fantôme. Roll. Un Cho'Gath là. Quoique. Morgana. Ça. Allez! Pourquoi j'ai toujours la marque de Rengar? Pourquoi ce bug? Il va me chasser à Vinam Eternam, quoi. C'est pas mal. Non, en fait, c'est nul. En fait, c'est nul. Illumine-toi. Aïe. Pas plutôt. Ah, il a pas eu le temps. Ouais. C'est pas bon du tout. À moins que je les passe niveau 2, j'arriverai pas à passer niveau 2, on peut peut-être revenir. Il me faut soit une Rek'Sai, soit un Cho'Gath, soit un Auréon. Et ben j'aurai rien du tout. Mettre là. Ça va pas du tout. Nini.
Ouais, des items, c'est cool. Là, on en manque, là. Qu'un seul item. J'ai rien, mais donnez-moi des choses. J'ai un Aurélion. Attente. Ah ouais. Et la grosse baguette. Et ben, à Blitzcrank. Allez, faut y croire un petit peu, parce que là... C'est chaud, hein. Peut-être que le Rabadon va faire une diff. Pas mal. Allez, faudra un bon top. Puisse revenir. Yes, Rek'Sai niveau 2. Ah bah là on discute. Là on discute, on a quasiment tout le monde niveau 2. Il faudrait juste avoir le Shogat niveau 2 pour être tranquille. Et ce serait parfait. D'ailleurs, je vais inverser les deux. Du coup, le sort de Shogat sera bien meilleur que le sort de Rek'Sai. Rek'Sai, c'est juste se mettre sous terre et puis sortir plus tard. Oh là là. C'est chaud. Niveau 8. Hein? Ah d'accord, c'est la Jinx. Vous comprenez pas. Je voyais mon Aurélion dépop alors que j'ai vu aucune attaque. En fait, c'est la Jinx. Oh, quel enfer. On va avoir le bonus fantôme, tu. Il est là. Il est là, le Shogat. C'est la tristesse cette game. Hein. On peut essayer de voler un top 4. Mais... Oh, c'est tellement beau. Surtout que normalement, l'ulti Kindred, ça va être pour tout le monde. Et là, ils ont pas fait pour tout le monde. Donc du coup, on a fait 2, 2, 4, 6. Ok. Alors combien on perd? 21. Ça va. Ça pourrait être bien pire. Quelle heure il est? Ouais, on a encore le temps d'en faire une. Attends d'en faire une dernière. Allez hop. Mais bon, c'était une game assez compliquée. Hein. La compo, j'arrivais pas à la mettre à bien. J'ai utilisé trop d'argent pour... trop de gold à roll, alors que j'aurais du XP pour rajouter des persos. Là, c'est... J'ai fait n'importe quoi. Mais bon, Je sais pas, j'ai cru au potentiel de Veigar, je me suis dit, tiens, ça pourrait être drôle. On lui met une Ginzu. Comme ça, il spam son sort. Alors qu'en vrai, j'aurais peut-être pu essayer de trouver une Chojin. Et honnêtement, il y en avait. Il y avait de quoi faire une Chojin à un moment. Ouais, si, il y avait de quoi faire une Chojin à un moment. Dommage. Bon, allez, là c'est le top 1 et on remballe avec ça. Ce serait incroyable. Oh, la caméra qui fait des bzzzit. Marrant. Ça va venir de la prise. C'est rien.
Ça venir de du hub USB. Changerai de prise. Ou sinon, il faudrait que je change le hub USB directement. Mais je pense pas que ça vienne du hub USB puisque le micro il a pas de problème. Bon, du coup, ça va être la prise USB pour la cam. Ah oui, ça le fait de plus en plus. C'est énorme. Alors. Super. Génial. Ahurissant. Mais si, j'ai eu mon pike. Oh my god. Oh my god. J'ai eu le pike. Oh. Bon, du coup, sorcier, c'est pas fait pour moi. Hein. En fait, j'aurais dû rusher les 6 sorciers, mais... Ah, pas du tout. Moi, je suis plus sauvage, bagarreur, autre. Je suis plus autre. Ah, le retour de la pièce d'or. Retour des gold. Bien. Ah, c'est marrant qu'elle vise. Visite comme ça là, car. Alors, on n'a aucune synergie. Donc, du coup, paf les deux morts deux. En attendant. Puis là, je peux pas la débrancher maintenant, puisque si je la débranche, bah la cam va freeze et ça servirait pas à grand chose. À moins que si je fais ça. Non, ça change rien. Du pognon. Pognon. Bagarreur. Métamorphe. On y va. Page. Déjà pas mal, hein. On peut trouver une Nida, c'est parti, hein. Ah, lame maudite. Brise lame, on a plein de choses. Hein. On a encore de l'extech, mettre des lames. Un mort de Kaiser. Ouais, Camille, on s'en fout. Camille, on s'en fout un peu. Pas l'âme maudite sur quelqu'un quand même. Attends un peu. Oh, il a déjà autant de dégâts. J'ai rien dit. C'est l'école Luden qui en faisait autant. Ah, Jace. Jace, c'est plus intéressant. La plus intéressant. Du coup, si je trouve... Je trouve Nida. Faire des choses. Mettre du métamorphe. Encore lui ?
Ah là je vais perdre parce qu'il a, elle a eu le temps de faire pop ses araignées. Là je suis deux fois contre la même personne. Là normalement ça devrait plus arriver. C'est bizarre. Bon la cam qui arrête pas de visiter, c'est chiant. Cassade, non. Et on attend. Ah oui, je voulais tester un truc. Alors, je voulais tester carrément de la désactiver et de la réactiver derrière. Et normalement, ça devrait être bon. Je pense. On vérifie quand même. Non, c'est pas ça. Ouais, normalement, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Métamorphe. Métamorphe du sauvage. Métamorphe. On cherche du métamorphe. Pour l'instant. En attendant d'avoir mieux. Qu'est-ce que c'est que cette émote? La dernière fois, je demande à Ripley où il en est avec mon émote. Du coup, en échange de planning que j'ai fait pour Summer Camp, machin, il devait me faire une émote. Chargement de la puissance. J'ai pas de nouvelles pour l'instant. Ouais, je lui demande. Eh ben, non. Bon, peut-être que je mette mes items, moi. Si je commençais à mettre des items, ce serait bien. Hein. J'ai quand même ce qu'il faut. Quand même ce qu'il faut maintenant. Alors. Oh, oh le Gnar. Le Gnar. Le Gnar à la place de Shyvana pour l'instant. Un quatrième sauvage. Alors. On me dit. On a un red buff. Aïe aïe. Ça va pas du tout. Ça va vraiment pas du tout. Alors, hop. 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 Il me faudrait un sauvage, en fait. Il me faudrait... Qu'est-ce qu'il me faudrait? Il me faudrait Rengar. Rengar, Nida. L'un des deux, maintenant. Pour au moins avoir le bonus sauvage pour tenir. Parce que là, c'est pas bon du tout. Hein.
peut pas aller loin avec ça. Bah du coup je sais pas quoi faire avec ton truc moi. Ah bagarreur. Ah bagarreur. Et j'ai ma Shyvana niveau 2. Je les éliminerai. Compliqué cette game aussi, hein. Surtout que j'ai pas de niveau 2 quoi. Après il a la chance, il a Rengar lui. Bon, moi j'ai Shyvana qui carry mais... Pour combien de temps? Ah, enfin. Ouais. Alors après, j'aurai quoi? J'aurai troisième bagarreur. Une bagarreur. En plus, c'est les métamorphes. Mal que ça. Hop. Hop. Et voilà, là, on discute. C'est comme ça pour l'instant. Ok, j'ai mes métamorphes. Mes sauvages. Maintenant, bah, il faut pexer, quoi. Il faut pexer, il faut des niveaux 2. Oh mais attends. Trop fort Aatrox, beaucoup trop fort. Ah bah y'a Rengar maintenant. Est-ce que je mettrai pas... Ah bah non mais Rengar il est pas métamorphe. Rengar à la place d'Ari du coup. Ouais. Alors. Qu'est-ce que je veux? Oh, vie! Oh, vie! Tellement bien. Non. J'ai reculé, j'aurais jamais dû. ...97 HP. Vitality Collar. C'est un vrai? J'ai l'impression que c'est un fake. Vite, Kali. Qu'est-ce que... On va rajouter tout le monde. Hein. Là... Le problème c'est que j'ai zéro personne rang 2. C'est là le souci en fait. Pas de Warwick, j'ai pas de... de Nida alors que c'est des... C'est des rangs 1. Il est là mon souci en fait. C'est pour ça que je gagne pas pour l'instant. Que mes persos c'est des chips. Et bah, j'ai déjà 3 rangs 2.
Y'a quelqu'un qui a copié ma compo. Ça va faire mal par contre. Bon. Monte un petit peu, mais pas beaucoup. Ah, pas du tout. Donnez-moi de mes persos. Ah, Nida. Et 1. Du coup, niveau 7, on met qui? On va mettre... Hiro. Ouais. Oh, je vais mettre Volimir. Au moins, Voli, il a un sort à eux. Plus intéressant. Et tout. Oh, j'ai vraiment pas de bol sur les items hein, sur cette game. La game précédente aussi, c'était pareil. Équipe bagarreur. Et j'ai rien du tout. C'est génial. Cœur jeu. Bon, je vais mettre sur Shyvana. Et puis Shyvana va carry. Voilà. Shyvana Vakari. Hop. Place Volibear. Voilà. Comme ça. Et il manque plus qu'un bagarreur qui est juste là. Et au moins, c'est un niveau 2. Donc, il devrait survivre. Oh, mes cheveux qui te font n'importe quoi encore. J'ai trop de cheveux. Terrible. Allez. Ah bah oui, bah Nida. Nida, elle peut rien faire. Par contre, la Shyvana, allez hop. Crash là-dessus. Jamais. Oh si. Magnifique. Magnifique. Alors, ah bah voilà Warwick. Enfin. Ah. Oui. Enfin. Enfin on respire un peu plus. On a des choses. Bon bah va falloir la tenir. Qu'est-ce qu'il a comme compo lui? Démon. Démon chevalier. Pourquoi pas. Shyvana. La Shyvana. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Oh, le Rengar. Bah, en fait, il me faut le Rengar. Ça, je le passe niveau 2. Alors, je sais que d'habitude, on focus les items. Mais... Là, il me faut...
Ou des persos plus haut niveau. Non, je tiendrai jamais. Je tiendrai jamais jusqu'au bout. Là, je suis repassé 3ème. On peut tenir. On peut tenir. Faut juste que je puisse mettre vie pour avoir. Sauvage, bagarreur et métamorphe. Et on sera super bien. Bah voilà. Il me faut un Warwick aussi. Warwick, ce serait bien. Faut que je puisse le passer niveau 2. Oh, il nous avait posé ce problème, celui-ci, au début. Ah ouais, bah le Warwick. Oh oui, ça va passer. Parfait. Impeccable. Allez, un Warwick. C'est long. Bah, il y a une vie, donc on va lock. Oh non. Bah si. Aïe aïe aïe. Dommage. Ça ne passe pas. Alors les corbacks. En fait, il me faudrait juste un Warwick et on serait super bien. Warwick, Gnar. C'est vrai que vie en fait. Tant que je la mets pas, ça sert pas à grand chose. Dommage. Et un item. Deux items. Ok, deux items. Ils font un zéké. Items qui font un zéké. Ou une Shojin. Shojin. Et des HP. Bon, on va mettre ça sur. Bon, j'ai toujours pas mon Warwick. Hein. Ça commence à devenir bizarre. Y a pas quelqu'un qui. Ah. Je trouve y a quelqu'un qui a un Warwick 2, presque 3. Et en fait, j'ai celui qui lui manque. C'est très drôle. Ah, le bonus fantôme de mort! Quelle horreur! Ah oui, évidemment, ils se font détruire. Il y a deux niveaux 1. Il y a deux niveaux 1. Pas du tout. Je vais te faire ça pour voir. Oh, le Warwick 3. Et le Panthéon. Ah oui, d'accord, il a eu le... Il a eu double spatule.
à me forger un cas. On passera pas. Aïe 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 aïe. Tout ça à cause d'un Warwick que j'arrive pas à trouver. Dingue, hein. Vraiment dingue. Il suffirait juste qu'il soit niveau 2 et puis... Pourquoi ? Oh bah cool. Deuxième, sixième place. Donc on a fait 2, 2, 4, 6, 6. C'est pas folichon, hein. Oh bah parfait, comme ça je vais pouvoir les manger. Parfait. Pour les manger. Et pouvoir avoir un peu plus de temps pour ce que j'ai à faire. Parfait. Des bisous YouTube. J'espère que t'auras apprécié cette session de la stratégie de l'échec sur TFT. On avance. En fait, on a même pas avancé. On a avancé 2 PL, je crois. C'est génial.